Radio Méga et Radio Méga qui sont radio qui blaient sur les planètes là côté et mon attendait radio à Florida, attendait le Canada, attendait dans tout pays hein, et surtout internautio qui attendait dans la vie. Eh bien, nous disons bonjour, bonsoir, son plaisir pour que nous capables de faire parler avec vous. Mm-hmm. Bon, monsieur, regardez avec vous là rapide. Nous connaissons, d'ailleurs, nous partons là pour quatrième semaine. Côté, activité là paraît paralysée à travers le pays. L'école, administration publique là très en difficulté pour capable de fonctionner. Comment parler national et faites gestion ça? Bon, écoutez, Salomon, bon situation qui est d'Akadi, qui est de jour en jour à ampleur, et puisque les protagonistes de la crise, et particulièrement les membres de l'opposition qui a radicalisé position chaque jour, et malheureusement, qui n'a pas priorisé le dialogue comme alternative réelle au Dakadi pour que nous capables d'enrayer les problèmes que le pays a connu depuis environ un an. Donc, je vous dis à Salomon, donc tout le monde préoccupé, et peut-être sauf monde que crime, ça que Dakadi est un crime, sauf monde que situation ça li est profitable à eux-mêmes. Donc c'est très grave la situation que nous vivons et j'en ai aujourd'hui puisque nous connaissons que 80% des haïtiens hein, c'est au jour le jour satisfait et fin yo, c'est au jour le jour yo et organisé yo pour être capable de répondre à besoin yo. Donc 4 semaines côté yo obligé yo imposé au rite la caillou, donc son situation qui est gravissime et situation ça, donc c'est pas Dakadi li facile, comme si c'est comme si son acteur pour tout le monde a regardé, oui, je veux dire, il y a le palais national, il y a un président élu la dernière, qui c'est Jovenel Moïse, que le peuple a fait un mandat, donc il y a une responsabilité tout pour qu'il travaille, pour ramener l'ordre public. Et pour que la vie capable de continuer, mais malheureusement, tant que nous, ouais. Et situation ça a perduré dans d'autres pays sous planète-là qui gagnent des problèmes tant que nous. Nous sommes capables de prendre un pays tant que la Somalie. Et bien, nous, ouais, que il y a tendance à nous radicaliser position et certains groupes. Et bien, nous, ouais, il y a tendance pour que nous somaliser et un pays tant que Haïti. Qui sont pays qui ont toutes sortes de précarités, sont pays qui ont toutes qualités de problèmes, et sont pays qui, Dakadi, qui, Dakadi à genoux, face à catastrophes, et nous pas qu'à résister à rien. Donc, nous, ouais, on t'y l'a appuyé tomber, nous, ouais, qui s'est poté comme dégâts. Donc, ça veut dire que Jodia, vraiment, situation, peut pas ici avoir une pire vulnérable. Mais ça qui est plus fondamental, c'est que le président de la République, il est conscient du problème et il invite les acteurs au dialogue pour qu'ils soient capables de jouer une solution et qu'ils soient capables de jouer une alternative d'Akadi à ce qui est réservé aujourd'hui à chaque monde dans la population haïtienne. À travers tout le pays, hein, et avant, le président de la République, quand même, n'était pas les questions de dialogue, là. Mais, je vous dis, Charles Faustin, dans le cadre de revendication, mon nom, presque tout côté, son seul chanson, seul refrain, c'est démission président de la République, là, estimé que, je vous dis, président, pas grand, au café avec, qu'il démissionnait. Comment nous-mêmes, nous, essayons, question ça, comment aborder nous-mêmes? Bon, tout d'abord, Mabdou, et Salomon, effectivement, il y a un pile monde réellement au niveau de la population qui, journée aujourd'hui, Dakadi a demandé comme solution, a demandé démission président. Et c'est peut-être c'est une bagaille que Mdapese a expliqué samedi dans l'émission ramassée et qui était créée en panique. Parce que réalité, là, oui, aujourd'hui, et par rapport à quantité de monde, qui est dans la rue avec moi-même, moi considéré et 4 catégories de monde qui est dans la rue, gagné et peuple haïtien qui est dans la rue, qui a demandé eux-mêmes et qui a demandé manger, eux-mêmes, ils ont voulu manger, ils ont besoin de manger dans la quiétude.
Yo même y a demandé sécurité, y a demandé travail, yo même y a demandé meilleures conditions, la vie, c'est ça, yo même la vie a demandé. Donc généralement et politiciens yo d'accord dit que qui journée aujourd'hui nous connaît très bien, yo pas une capacité ça vraiment pour que yo capable mener population hein, et à d'accord dit à volonté yo, puisque ça fait 33 l'année depuis catégorie de politiciens qu'il a yo, yo toujours et d'ouvrant d'accord dit une forme de bataille que pas ici a mené pour changer la ville, mais après ça nous est nous est que c'est yo et mettez mes sous épaule peuple haïtien pour capable river atteindre objectif pa yo, et puis devant et puis peuple là retourne dans la même situation, payé yo bal gaz, yo bal bâton et oublié, et puis on joindre un petit groupe monde qui river et satisfait intérêt personnel yo. Et aussi exactement pour eux, je dis à gagner un bon groupe dans le secteur privé qui est dans la rue, parce que gagner 15 ans de franchise et que c'est pour la période de transition 2004 qui est arrivé à terme, et qu'on y a eu besoin de renouveler 15 ans de franchise, ça veut dire franchise côté pour ne pas payer de douane et sous marchandises que vous rentrez, et puis que vous pouvez vendre le peuple à bien cher, et puis que le peuple a gagné comme lui-même pour la maquette pour l'acheter. Et l'État qui a affaibli, puisque l'État n'est plus pas capable de répondre et sous question pour le peuple à manger, sous question pour le peuple à soins de santé, sous question pour le peuple à éducation, eh bien l'État a toujours plus faible et l'État a toujours une catégorie de politiciens qui a mené la rue pour que eux-mêmes, eux soi-disant, a chapanté revendications peuple à, mais peuple à. Depuis 215 l'année, peuple haïtien, c'est toujours qu'on est même situation réellement pas changée. Les gens qui viennent sous pouvoir. Bon, regardez avec vous. Quatre catégories à parler rapide. Bon, regardez avec vous. Regardez quatre catégories. Moun estime que dans la rue. Les quatre catégories, d'abord, c'est tout peuple. Peuple qui est dans la rue avec revendication légitime jusqu'à le gain. C'est que les besoins de la ville changer. Les besoins manger, les besoins travail. Li besoin éducation pour petit li besoin logement et puis bon que côté la vivre journée aujourd'hui il y a monde qui pas de logement du tout qui a dormi à la belle étoile, et ben c'est ça qui poussait le monde dans la rue. Et deuxième catégorie de monde qui dans la rue à cette nuit, c'est bourgeois que nous sommes commencé à expliquer eux-mêmes, ils ont besoin de contrôle pour eux, ils ont besoin de contrôle et aéroport, ils ont besoin de contrôle et gros contrat, ils ont besoin de contrôle pour les franchises. Donc ça veut dire moun sa yo, et même si en bas la ville, la magasin ou dans le temps, comme on y a ces petites villes, c'est Delma, c'est Tabay ou Monté, et bien dans le temps, même les et en bas la ville qui chargent la boue, et bien ils mettent un bot dans le pied, ils rentrent dans la boue quand même, il y a le bon marchandise, yo, pour ce problème là, mais ils ont même pas gagné pour y ouais avec le peuple là. Et je vous dis à nous, moun sa yo tout, ils mettent main yo sous épaule peuple là, pour être capable d'atteindre l'objectif par eux, troisième, soi-disant, troisième voie et toute qualité causée. Donc, pour jouer le monde par eux, nous avons un gros contrat pour toute qualité causée. Donc, tout le monde par eux, je dis à eux, font seul avec le peuple, c'est comme si ils avaient même revendication avec le peuple. Et puis, dans le pire, le peuple n'a pas naïveté, qui n'a pas recul. Troisième catégorie. Troisième catégorie. Ou gagne tout de monde qui compte faire et la vie facile dans le pays à travers le commerce de drogue, ok, qui eux-mêmes, depuis un certain temps, nous avons dit question ça, surtout avec un BLTS qui est très actif dans le pays avec support et la police dans tout le département, et bien pour le monde, ça y est, eux-mêmes tout. Yo directement ou indirectement dans la rue, parce que yo même yo gen moun y'a financé pour capable al boule commissariat, yo gen moun y'a financé pour faire l'énergie, yo gen moun y'a financé pour faire toute qualité de bagay, parce que yo même yo besoin créer zone de confort yo, pour que yo capable retourner commencer fonctionner normalement sans problème. Donc quatrième catégorie de moun yo, ou gagner les politiciens traditionnels qui pas gagner élection et c'est bien. Ils ont ouvert sa élection. Ou est là, la rue a plein de monde. Ou est en plus de monde dans la rue, c'est vrai. Ils ont mis tant de monde. Ils ont dit que vous mettez monde dans la rue. Et bien, tout le monde pour l'élection demain matin, c'est bien. Et bien, pour avoir M. Sayo, vous pouvez le refaire 0,01%.
il va le faire ça qui puis bye, il va le faire 0,5%, il va le faire 1%, et puis il peut pas pas voter pour lui réellement. Okay. Donc seul gens pour que il y a pour lui sous pouvoir, faut qu'il joigne au pouvoir de transition. Transition côté pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a Mandela, il y a profité d'accadie et augmenter capital, augmenter canet, ok, augmenter compte en banque, et puis pour que eux-mêmes, après, puisque vous n'avez pas bien élection, les vignes élections, il y a perdu, vous allez tourner sous béton encore, et nous qui pouvons aller lui encore très peu de temps après, même Mounta, vous allez organiser sous l'autre forme encore pour vous demander pour démissionner, parce que eux-mêmes que mon seule mission, déstabiliser le pays. Joignons en situation pour rentrer dans le pouvoir, et puis après ça, problème peuple a été même bagarre. Okay. Et c'est ça que nous avons essayé de définir l'autre jour, que Jean Monnet est signé, c'est comme si vous tout le monde dans la rue à dire, il est donc non, 4 catégories, chaque monde pas qu'à tous les 4 catégories. Donc chaque catégorie, il y a un monde par là. D'accord. Bon, mal avec catégorie de drogue dealer parler, hein. Ça y est, au niveau des palais, nous bien identifier drogue dealer. Nous connaissons. Non. Si nous t'es identifié et bien, moi-même, vous connaissez la fois parler de mien, nous avons c'est Pierre, c'est Jacques, c'est les gens, mm-hmm. Vous comprenez? Mm-hmm. Mais d'ailleurs, nous dit son secteur qui n'est pas toujours levé maintenant là pour le dire, c'est lui-même. Mm-hmm. Ok? Mais, qu'il n'y a pas qui sont identifiés. Pas qu'il n'y a pas qui sont identifiés. Salomon, mm-hmm. Tout le monde, dans la revendication pour le peuple à manger, dans la revendication pour le peuple à travailler, dans nos revendications pour faire la voie petite l'école, qui intègre gain pour la mettre du feu dans le commissariat. Ok. Donc ça veut dire que le groupe Mountaio a besoin d'affaiblir l'État et l'État qui n'a pas de moyens, parce que même sous le temps de Yodia, si pas mal le président Jovenel Moïse a dit la baille d'émission, eh bien, c'est comme si Mountaio a des solutions dans le monde pour aller résoudre le problème. Il y a des solutions dans le monde pour aller reconstruire le commissariat tout le monde. Commissariat et Marigot, commissariat et zone dans le sud, commissariat dans la Timonie, et dans ce qui privé de la Timonie. Est-ce que vous gagnez le bagage dans le main, que vous parlez tout de suite, reconstruit le commissariat et policiers qui ont marché tout à gauche, à droite. Si vous avez intérêt aujourd'hui, policiers qui sont dans ma prise, peuple là, policiers qui ont servi, peuple là, si vous avez intérêt aujourd'hui à tuer les policiers, okay. Si ce n'est pas de monde, qui besoin plus à l'aise dans le fonctionnement, yo, et parce que, c'est de regarder comment faire gagner, c'est deux raisons qui a fait gagner toutes les âmes dans le pays. C'est, première raison, c'est contrebande, deuxième raison, c'est drogue. Qui est capable de faire gagner toutes les âmes qui a circulé dans le pays. Ok. Ça veut dire là, où l'État va faire un tout, pourquoi pas combattre le phénomène. Bon, regardez avec Okunia. Pour question de drogue, dis-le, parler là, et Jutial Faustin, c'est une opinion, c'est pas fait. C'est opinion. Non, écoutez, vous faites analyse fait avec vous. C'est opinion fait là. C'est juste opinion par les faits quand même. Vous constatez qu'il y a des commissariats qui attaquent. Là, vous juste déduit que c'est de la drogue qui a fait. Mais c'est pas comme si des faits que vous gagnez, comme si vous connaissez des catégories de monde bien spécifiquement, vous entrez dans ce secteur, ça, de la drogue là. C'est pas des monde qui nous identifient. Nous ne connaissons pas. Non, écoutez, monde qui gagne, monde qui connaît. Vous comprenez, par exemple, il y a des gens qui connaissent, mais vous connaissez, ce sont des gens qui sont très mal. Ok? Mais est-ce que nous-mêmes, au niveau des pouvoirs, nous connaissons? Parce que là, je parle des pouvoirs. Nous, on a fait avec l'État, non, quand même, qui gagne tout ça qui gagne rapport avec pouvoir pour prendre des décisions, pour arrêter des gens, pour faire la justice en fonctionner. Je voulais connaître, est-ce que nous-mêmes, au niveau des palais, nous bien au courant, nous bien imbibés des gens? C'est B. Ouais, moi, je présente le tableau à Barou. Et si vous attendez particulièrement une note que le président Cour de cassation a sorti dans l'occasion ouverture du tribunal, malheureusement, cérémonie à partir de cette hier, vous attendez que le président lui montre la situation de justice, la faiblesse de la justice, qui lui-même, Nakadou, a besoin en pile lavage, a besoin en pile nettoyage pour qu'il soit capable de faire travailler comme ça doit. Parce que vous reconnaissez effectivement dans la justice là, il y a une situation qui a persévé chaque jour, qui fait que juge en pile dans par la hauteur des responsabilités que vous avez. Okay. Et lors de nos sociétés, pour société à Dakadou, parce que chaque monde a une responsabilité par eux, si par le national, ouais, c'est Pierre, c'est Jacques,
qui dit leur drogue là, nous pas capable briter dans la radio pour nous dire Pierre et Jacques. Donc il y a des institutions qui ont occupé de ça, information yo pour aller joindre institution yo et même par la suite pour faire travail par eux. Ça veut dire nous nous connaissons, nous gagnons, nous pas veut juste pas nous juste pas veut bailler dans la radio. OK. Qu'on a bam garder avec la Jude. Pour question gros contrat au parler hein, ou dit gagne des monde qui te gagne gros contrat dans l'état. Jeudi en qu'est-ce qui gagne contrat? Est-ce que gagne des monde qui te gagne contrat dans l'état qui nous coupé au niveau des palais? Qu'est-ce que bon, et remise en question contrat, c'est eux-mêmes qui surtout mettaient président Jovenel Moïse dans toute d'accord difficulté et dans gouvernance li qui mettait tout problème du galage au Nigeria. C'est parce que président depuis l'arrivée il était fait pour remise en question de contrat. Particulièrement, il y a des contrats routiers. Il y a des contrats routiers. Les gens qui ont fait 1 km de route, ça coûte le pays à 1 million. Quelques secondes, quelques secondes. Wap Kouti, Radio Mega, Go Radio A, li fait 7 heures. Nous en forme là. On allait. 1 km de route qui était qu'on a coûté le pays à 1 million et même 3 millions de dollars américains. D'après exemple, nous prenons exemple ça avec vous. Et la route de Kay Jérémy, qui est 84 km de route, et dans la route ça, vous joignez et côté et gagnez 300 millions de dollars américains pour 84 km de route. Donc, l'éclair contre le coq, ça veut dire que gain de kilomètres qui compte coûter nous 3 millions de dollars américains. Kounia le coûte combien? Depuis le président Jovenel Moïse Rivé, il y a une révision à la baisse qui fait. Donc, maximum l'argent qu'un kilomètre de route capable de coûter, je veux dire, si c'est secteur privé à Capel, eh bien, il est capable de coûter jusqu'à 400 millions de dollars, 400 000, ok? 400 000 dollars américains, ok? Donc, l'on sortit de 1 à 3 millions pour passer dans le prix ça. Donc, ça dérange, tant que Jean-Lotte l'a dit. Ça dérange, ça dérangeait de vous. Et ou après que l'État qui t'a décidé carrément pour faire outre en régie, eh bien, l'État avec matériel que acquisition a été fait, yo, et dans le cadre de projet Caravane, qui vient de faire que l'État et TPTC et c'est l'ingé plus matériel pour que vous capable faire intervention ça et eh ben l'État est capable de travailler en régie avec n'importe qui firme qui a construit en route et laisse la route là il y a possibilité pour le côté l'État encore moins scope comme ça veut dire toute question ça et gars mon qui vraiment te menacé d'ailleurs qui te menacé président l'air tu connais t'a fait montage ça pour te acheter 160 millions de dollars et américains et matériel ça aussi distribué à travers le pays. OK. Donc ça très important. Bon, tout garder avec vous. Vous parlez de la de 1 km route qui compte coûter 3 millions de dollars américains avec président Jovenel les côté 400 000 dollars américains. Jodi par exemple en terme de construction route nous sous combien kilomètres avec pile avant à ça nous en. Et président depuis 2 ans et quelques mois arrivé là, on est que route dans le pays, surtout c'est un gros investissement et depuis longtemps, investissement de route dans le pays, c'est bailleur de fonds qui peut soit prêter pays à corps ou bien faire pays à des dons pour construire des routes à travers le pays. Et depuis le président arrivé, donc pas gagné ni prêt, parce qu'on est toute exigence que FMI, qui c'est lui-même, c'est gendarme dans le domaine finance internationale là. Et t'as fait payer, par exemple, ajustement et gaz à la pompe, et t'as demandé une série de exigences qui peuvent être faites dans les finances publiques, là, etc. OK? Que le gouvernement a commencé à travailler sur, mon connaît, et l'année passée, 6-7 juillet, il était stoppé sur dynamique, côté que gaz là, t'as pu monter et qui t'a commencé à créer premier problème, yo, qui ramène nous aujourd'hui à plus que yon l'année depuis que pays à prendre de perturbation à ce niveau-là. OK? Donc, président, avec Grèce Couchon, hein, OK? L'arrivée, malheureusement, pas mon liste exhaustive, mais Mabdou de trois côtés sous local. Non, mais il y a besoin de chiffres là, c'est global. Mabdou, donc, si, et je vous dis,
moi te gen tan konnen ko t'a poser question d'avoir le dos exactement qui quantité kilomètre parce que TPTC gagne quantité kilomètre la même abdou et particulièrement en nous par exemple dans Jérémy actuellement là dans Jérémy toute rue Jérémy écrasé et ben toute rue Jérémy et entre béton et asphalte il est tout fait il a même construit une nouvelle rue au niveau de Jérémy tu vois le grand route du 6 notre bec. Et si on prend Campirin, et tout Campirin en Bacan, et pour prendre 3 km de route qui sortit dans Campirin pour sortir sur la route nationale là, ok? Si on prend 5 km de route dans la route pour sortir et porte au caille pour aller sur Campirin, donc qui construit, si on prend la route dans au caille, quand il y a béton, que vous mettez en dans au caille, route Maniche. Et Campirin qui a construit, ok, ça c'est dans le sud. Et nous gagnons route Kapoujo, là où on est qui commence, c'est que tu as gagné plusieurs kilomètres, c'est que tu as mis asphalte sur yo, ok. Gagné route, si vous allez dans toute grande de cela toujours, aller les Iwa, aller dans toute zone ça, et Wap Joël de route qui a construit, même si en pile là, pour qu'on y ait asphalte sur yo, ok. Donc, vous allez dans Nip, donc avec des forces à eux qui viennent, donc gagner en pile les forces dans ce secteur ça et une capable d'où ça déranger et c'est effectivement ça déranger mon monopole parce que tellement de bagages tellement de bagages les ondes ici ils vont construire en film de construction route qui est-ce qu'on connaît qui client c'est l'État haïtien parce que ou pas jamais entendu on est ici ou bien au secteur privé au monde dans le secteur privé ici qui est film qui a fait route parce que j'en ai oué ça alors aller aux États-Unis, même la République dominicaine. La République dominicaine, il y a deux heures qui vont passer, vous payez tout carrément. Parce qu'il y a des routes qui construisent, ou ça, c'est en tant que l'État fait avec le secteur privé, qui construit route, et puis vous mettez en temps pour que l'État capable de toucher l'argent. D'accord. Et alors, pour que le secteur soit capable tout seul, après ça, vous devez mettre route là-bas et l'État. D'accord. Donc, là, c'est ton parenthèse. C'est ton parenthèse. En Haïti, nous pouvons faire ça. D'accord, c'est ton parenthèse. Nous entrons là quand même. Et tout préciser pour nous, la gagne des chiffres pour question matériel qui t'achète, ou gagne des gens qui parlent de 150 millions. Et qui ça vrai chiffre là? Non, vous croyez, dans ce premier temps, c'est le montage 123 millions de dollars américains. Pour matériel. Pour matériel, et puis on connaît que le président a profité acheter de matériel pour les mairies. Ok? Vous songez et tout matériel que tu as distribué par les mairies. Donc, tu as gagné un montant additionnel. Les tout avec, 150 millions. Environ entre machine gaspé pour la police, etc. Donc, environ 150 à 60 millions de dollars. D'accord. Ok, correct. Kounya va me regarder qui ça nous va le faire parce que quand même on parle de instabilité président quand même lui fait appel à question dialogue un peu monde estimé que président dit sous bluff avec question dialogue là gagne parti politique qui était constitué tête comme opposition modérée il était estimé que pas gagné au café sans que bachita il était décidé pour que était fond branche opposition il chita avec président plusieurs fois et chaque fois chita avec président estimé que président lui dit que son dialogue là mais au fait président pas intéressé avec son dialogue là et dernière fois il relit c'est avec question information gouvernement la peine il était estimé que président pas jamais intéressé avec son dialogue mais plutôt président besoin des monde pour passer dans bêtise je vous dis mon ça yo yo radicalisé tête yo tout dit pas dans question président pas chita avec li et ou di fòk président ali. Nan grâce à Judial Fossé, nous constatons que pays living ingouvernable, côté que toute administration publique l'en fermé, l'école fermé, toute activité paralysée dans pays, pas grand cap marché. Nan grâce à Mounio, yo ti aski fòk président parti et yo kwè ke yo pap kanpe, y a continué mobiliser et ouè ki sa réalité ayé. Nan grâce à ki sa n'a fait pour nous capable permettre que la vie retourne dans pays. Bon, et comme vous savez, et moi qui dis ça, yo, parce que le problème dans le pays, le problème d'honnêteté, c'est lui. Et le problème d'honnêteté, ça, fondamentalement, est bien, parce que vraiment, en pile, j'ai fort que le président fait, je suis attendu avec mon yo. Mais généralement, un président de la République, il paraît pour venir raconter tout ça, discuter avec le monde. Ok, parce que y a quand même, je dis assez vrai, il y a un monde qui voulait. Et prend tout le bagage l'État pour mettre dans l'État la rue, mais dans tout pays du monde, l'État, les gagnants, si vous voulez, les gens fonctionnent,
et l'État pas capable d'accadou à étaler au grand public ensemble de discussions que on cherche l'État à faire avec des monde qui est dans l'opposition. Même si ils ont capable radicalement opposé, mais ils ont été des Haïtiens et quand même, donc ils ont supposé gagner au minimum pour que ils soient capables de tenir sérénité au niveau de la population. Donc le président, à chaque fois, il fait un partout ça, soit groupe d'accord que le président a plus besoin et pour capable de créer stabilité dans le pays à 26 ans, il n'est pas venu, il laisse aller de l'autre groupe qui vient. Donc le président trouve un malaise pour que il est capable de dire que c'est effectivement c'est un accord que le jeune avec l'opposition. Et donc, comme je dis, c'est d'accord avec moi, si je dis à l'opposition, l'opposition plurielle, il y a des gens qui sont il y a peut-être gros causé là dans la radio. L'ont invité ou la moche, il y a peut-être qu'on livre avant terme, il y a des belles bagages, mais à regarder combien de monde qui a parti politique, à regarder combien de monde qui a mis des barricades, c'est eux qui a mis des barricades la vraie. C'est pas eux. Donc ça veut dire que les gens, c'est peut-être c'est eux qui viennent dans le cadre en recherche de solutions. Donc le président toujours insiste pour que, capable de gagner une discussion approfondie pour plus de monde, venir chita et si on a sauté en bagaille, nous sautons en bagaille. Et nous représentatifs, mais qui pas parle après trois mois, qui pas parle pour nous la même cause. Et c'est toujours préoccupant, parce que le président parle comme s'il si ralentit le groupe sous côté. Et des fois, on connaît le résultat autour, parce que dans le dernier gouvernement, et Coap Gila, et M. Lapin, qui c'est M. Michel, eh bien, c'est gagné, soulevé de consensus minimum, tout. Il se joint avec deux mondes de l'opposition qui accepte de faire partie du gouvernement. OK? Mais le président a toujours besoin de gagner plus de participation pour créer, surtout sa président, à chercher chaque jour que le besoin maintenant, c'est la stabilité politique. Kounia, là, est-ce que tu mets que nous sommes là pour capable permettre la stabilité politique à retourner? Est-ce que vous sentiez carrément que ça n'est capable de sérénité? Est-ce que tu mets que nous sommes là? Par rapport à la situation là. Bon, c'est dommage pour quelqu'un de monde qui, malgré la c'est pas thème de cette B. Ou même en tant que monde, en tant que haïtien, on doit vivre dans le quartier, et dans le quartier, on doit reconnaître comme leader quartier à cette B. Ou même, il y a des gens dans le quartier qui ont des problèmes, il y a des photos comme leader, surtout bon, parce qu'ils sont leader d'opinion. Dans une zone d'autorité, on est sûr qu'ils sont notables dans une zone. Mais premier bagage pour demander des gens qui ont un conflit qui viennent de l'autre, pour demander pour les chutes à parler. C'est premier bagage pour demander, oui. Donc, il faut dire, dans ce nouvel là, c'est vrai que nous avons une situation de gang, capé, et valet terrain dans le pays, et il y a des gens de jour en jour, nous avons identifié comme des gens qui ont une responsabilité dans faire fonctionner gang ça. Mais écoutez, président Yodia, et pas une autre porte de sortie, puisque il y a demandé une démission. Et la Constitution a dit, il n'y a pas de cas que le président doit avoir une démission. Donc, est-ce que nous avons un cas ça, légalement, devant nous, je veux dire? Par exemple, nous, avec M. Député, c'est a tenté de faire une mise en accusation. Mais si une mise en accusation a été faite, même là encore, ce n'est pas seulement des présidents à démission. C'est à demander qu'on y a le Sénat de la République. Pour que, en conformité avec sa constitution, dit, même si la loi pourrait exister sur le fonctionnement de la haute cour de justice, ok? Donc, c'est ça, quand même, c'est la République là, qui voulait même être capable de garder, conformément à sa constitution, dit, pour être capable de garder, faire question mise en accusation, elle est ça. Si le président est coupable, elle est ça, on n'a pas dit président, des formats et démission pour que qu'on y a là, et la justice capable de continuer et avec procédure qui était commencé. Mais je vous dis à qui ça, pour qui ça a demandé démission président? Est-ce que le président a gagné du bagage que reproche comme crime, comme vol au niveau de l'administration publique qui fait que il a demandé de démissionner? Et même si il a gagné des situations comme ça, la loi dit tout comment pour ça fait. Ça veut dire qu'il faut quand même une procédure. Est-ce que le procédure ça a été déjà enclenché? Président, est-ce que le président a un problème et mental, un problème psychologique qui fait que le PAC a dirigé pour obliger la démission? Donc, président, il a un mandat. Donc, c'est à lui-même qu'on y a pour trouver. Et est-ce que les non-situations et à
anormal qui oblige le bail démission, mais moun pas capable à forcer le pour le démissionner. Donc c'est ça nous voyons dire, et c'est ça qui fait que le monde qui a radicalisé des positions par rapport à l'international, et avec arrogance, je veux dire, après le côté international là, comme si Dakadou est un peu senti moun, comme si qui parle le papa le papa, et puis, mais qui besoin de bagay, qui vient côté, et qui a besoin tel bagay, mais le pas qu'à mettre papa, s'il te plaît, vous comprenez, femme garde tel bagay, c'est comme si c'est international là, qui a responsabilité pour retirer un président, pour mettre l'autre président, c'est ça, nous, ouais, opposition. Qui dit que yo et toute qualité causée, yo c'est moun qui nationaliste, yo c'est moun qui bagaille, et bien je dis, c'est nation généralement de pour être Jovenel Moïse pour yo, pour mettre yo comme président. Donc ça, yo, c'est de la guerre qui vraiment est incohérent dans le cadre d'action et que nous, l'opposition radicale, là, a posé, il a crasé Moïse d'une part, le monde dit pas d'accord avec forme que a utilisé, qui s'est crasé Moïse, boulé, et Tim Hortons, et classe moyenne, et tout le monde qu'on y a presque envie de vivre pour partir de ce pays, parce que bon, beaucoup de monde à cause de violence qui a fait dans le pays, qui fait que le monde a eu, vous voulez faire paquet pour quitter le pays. Ça veut dire, Jude Faustin, jusqu'à présent, président confortable dans le procédé. C'est pas en question de confort, on a parlé là, Jude. Jusqu'à présent, le président a la légitimité pour rester dans la force, mais c'est pas en question de confort. Mm-hmm. Parce que qui est-ce qui t'a voulu à diriger pour ne pas avoir gagné normalité, pour ne pas avoir gagné fonctionnement réel, normal, et pour ne pas avoir comme si côté petit monde qui doit à l'école, qui doit à l'école, ou qui côté professionnel qui doit aller évacuer activité au chaque jour, ou même, c'est un jour où qu'arrive dans la radio. On joue ou pas qu'arriver, c'est la réalité que je dis, ok? Donc, pas un monde qui a le même mode de fonctionnement. Mais, écoutez, le président, ils font appel suite à une adresse à la nation, il dit que pas un autre bagaille que nous avons fait, quelle qu'en soit la discussion que nous avons fait, il n'y aura pas de sujet tabou, mais venez sur la table de dialogue pour que nous soyons capables de joindre au maudit son pérenni, au maudit vivendi, qui peut faire que le pays n'a pas continué à sombrer plus bas que j'en ai venu aujourd'hui, et pour que nous capables de nous entendre. Donc, moi-même, je me dis, et c'est si on te voit que le président, il s'est reproché le bagage, moi-même, honnêteté que bien comme monde, je vais continuer à faire et dire ce conseil président, voir pour nous prendre parole dans l'opinion. Ok? C'est parce que moi, connais avec âme et conscience que le président n'est pas un et qu'une fête, c'est tout simplement quatrième catégorie de Mounio, qui besoin ravitailler dans l'État, qui pas qu'à gagner l'élection, et qui seul moyen pour que vous capable de ravitailler, c'est faire un coup d'État pour vous venir ravitailler. Et c'est ça qui négocie le problème, puisque c'est la politique qui mène le monde, yo, c'est le monde qui dit, yo, c'est le leader politique, il a radicalisé, solution, difficile, mais le problème n'est pas Jovenel. Mais qu'on a l'air gardé quand même un pouvoir, et qui c'est l'État, les gains des responsabilités dans le pays, là, nous gardons tête, nous, là, Jules de Charles Faustin, qui sera le président à diriger la Kounia. Radio Omega. Bon, écoutez, Salomon Sedmé, nous croyons que si vous avez besoin de sauter ou arrêter, André Michel va sauter arrêter. Ok. Il va sauter. Donc, si Dakadou a gagné des problèmes ponctuels en dépit de situation où il a, c'est pas. C'est pas de l'autre monde qui est dans l'opposition, et c'est pas lui la tortue qui a réglé. Ok? C'est pas Boulos qui a réglé. Ok? Mm-hmm. Donc, ça veut dire que je dis que il y a le monde entier reconnaître que le pays a un président. Et c'est ça que je trouve ça bon. Le président, c'est qu'il faut aller dans l'ONU, pour aller prononcer le discours de chef d'État en tant que chef d'État d'Haïti. Il n'est pas arrivé à aller, mais il était bail mandat à ministre affaires étrangères qui était allé discours là. Mm-hmm. Okay? Ça t'a dit là, mon capitaine de la comprendre que le président réduit en un président qui a souhaité arrêter. C'est ça? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mm-hmm. Puisque on a demandé le président, c'est comme ça. Non, qui ça l'a dirigé par les faits que pays en ou d'abord que je vous dis, pas dans un cas fonctionné dans le pays là, tout bagaille fait main. Moi d'accord avec vous parce que tu as besoin de bagaille. Même un pays qui est plus organisé,
nous te voyons ça qui s'est passé en France tout récemment. Mm-hmm. En France, c'est une situation côté monde qui est obligé à fermer des issues. Malgré le ministre de l'Intérieur, et comme elle l'a dit, ça fait tout le geste qu'on a fait. Le premier ministre a fait tout le geste qu'on a fait. Et pendant un certain temps, nous, ouais, et bon, c'est une situation. Ça ne veut pas dire que le président Macron n'a pas réglé rien. Ça ne veut pas dire que le pas réglé rien. Et c'est ça que fait. Il faut essayer de comprendre. Parce que je vous dis à Salomon. Salomon. Et en Somalie, le problème qui est en Somalie, le problème qui date un an, non? Le problème qui date un an, le problème qui l'a longtemps, ok? Et le problème qui t'a gagné, ok. Juste à Faustin, et par rapport avec la réalité là, hein, est-ce que ça arrive quand même, gongon, on équipe qui dans la rue à tout côté, qui t'a ce qu'il faut que le président aller. Bon, côté pas nous, nous t'a ce que pour nous, n'a toujours été, n'a continué qu'un pouvoir, mais n'a vu la situation, j'en ai là, jusqu'à ce que des ans arrivent encore. Comment on a fait, Mon qui dans la rue, mais ça me fait faire, mon pote. Yo même, yo gagne l'âge moins, en pile dans yo. Il y a environ 33 ans depuis qu'il y a la rue. Il y a 33 ans depuis qu'il y a la rue, à chaque période, soit sous CNG, Nanfi, et soit sous Nanfi, soit sous Avril, soit sous Maniga, soit sous Etapascal Grillou, soit sous Adaou, soit sous Prival, soit sous Aristide, soit sous Joseph Michel Vatelli. Eh bien, ça fait 33 ans depuis qu'il y a toujours dans la rue. Mais le problème n'est pas réglé. Et je dis à président Jovenel dit, lui-même, il est conscient de la crise, mais il livre une opportunité pour que définitivement nous sortions de la crise. Et il faut nous sortir définitivement de la crise. Ça veut dire que M. Ravitailleur qui voulait qu'on pouvoir, et puis après ça, passer ce plan en bêtise, et puis le peuple après retourner dans la rue encore, quelques mois plus tard, parce que il n'y a pas qu'à bailler le peuple à manger. Il n'y a pas qu'à faciliter ces petits peuples à l'école, il n'y a pas qu'à faire le peuple à le travail, le peuple va retourner dans la rue encore, parce que là, ils sont plus récurrents. Ça, c'est un conseil à bailler, un conseil à bailler dans la rue. Oui, je m'a dit que il y a même tout, faut qu'ils comprennent très bien, bien, trois autres catégories que je dis, qui ont exploité, qui mettent mes sous épaules pour régler le problème par eux. Et les trois catégories de monde par eux, si nous réglons les problèmes par eux, ils n'ont pas gagné encore pour eux avec le peuple. Et bien, laisse ça, ou bien, je veux plus être monde qui n'a pas pouvoir aujourd'hui, ou bien monde qui est dans l'opposition aujourd'hui, que nous pouvons séparer les gâteaux, que nous-mêmes, ils n'ont pas besoin. Nous pouvons reconstituer un autre groupe allié, nous pouvons dans la rue encore qu'on y a, ou songer. Et après un an, dans la période un an, et privé, c'est bien mon dans la rue, vous savez ça? C'est bien mon dans la rue. Donc ça veut dire que situation ça, peuple lui-même, il a besoin de bien comprendre pour garder chaque nègre qui est dans la rue avec là. Et songez, faut qu'il appelle tout petit pour dire nous-mêmes qui sont pays dans le pays. Ou pas magistrat, ou pas député, ou pas sénateur dans le pays. Donc pendant tout le temps, ça a été occupé pour que ça aille. Ou pas écouter un président là, ou pas directeur général, ou pas ministre, mais pendant tout le temps, tu es occupé par ça. Soit tu es réglé pour nous. Député Faustin, ça t'a dit là, ça t'a dit, mon qui n'a l'air, son pète de temps. Conseil à ce que vous mettez entré, président pour dialogue, mais le pas aller. Regardez, Temjo. Et. Président, le salon élection et tout pays sur la terre. Même si y a des problèmes là, mais problème là, la réglé par les élections. Donc, le président lui-même, lui paraît pour que lui vienne dialoguer avec l'opposition. Mais il va braler, mais il va aller à balade. Lui paraît pour lui mettre tout sujet sous table là et nous dire pas de sujet tabou. Qui sont les sujets tabou? Qui sont les tabou? Pas de rien qui pas qu'à parler, c'est ça que ça veut dire. Non, lundi, nous pas mettre les sujets tabou. Non, ça veut dire pas bien sujet qui tabou. Pas bien sujet, ça veut dire comme si son sujet, vous n'êtes pas capable de parler. Tout sujet yo, qui veut dire la cause que le peuple n'a pas qu'à manger. Tout sujet yo, qui est la cause que le peuple n'a mal cité. Démission, tout ça. Qui la cause que le peuple est dans la rue, tout capable de venir sous table. Est-ce que démission est sous table à tout? Mais c'est sous table à tout, vous venez parler, et c'est pas vraiment avant qui pour parler dans la radio.
c'est cadre là pour créer pour discuter et laisse à gérer il y a regarder tout ça parce que tellement de bagaille vous connaissez très bien c'est son jouet à l'opinion que nèg joue mais légalement nèg yo pas et masque dans le hôtel démissionner que pour dit président j'ont t'a dit d'ailleurs pays a pas diriger mais qui monde qui fait que il y a pas diriger aujourd'hui c'est nèg yo qui utilise la violence et que président répondio non adresse qu'il fait il dit lui-même il pas utiliser même moyen avec qui c'est la violence et lui-même lui proposer le dialogue comme alternative. OK d'accord député mais quand même et tout pays gagne ça n'est capable briller et deadline on a toujours gardé réalité estimé que OK parce que quand même là on parler de la loi ou montrer quand même président et monsieur pas parler c'est question de mandat 5 ans mais des monde gagne des monde tout qui questionne ça ou quoi que son mandat et puis mandat gon contenu ou bien mandat gon mission et là est-ce que nous tenir compte des contenu mandat ou bien gade, tout simplement ouais durée hein? Regardez, ouais, peuple là, il est bon au mandat, ou à l'élection, peuple là, bon au mandat, avec un contenu. Constitution, non, regardez, c'est un autre bagage. Constitution dit que le président, lui, il a un mandat de 5 ans. Ok? Il a un mandat de 5 ans. Maintenant qu'on y a, l'on a le contenu. Contenu, président, quel que soit, tout ça, il a comme vision, tout ça, il a comme plan, comme projet. Faut que y ait un environnement propice pour que les capables arrivent faire yo. Et je dis à qui ça nous est, moun qui en fait capable de le démissionner, yo, qui a dit que le pas qu'à diriger, yo créer conditions pour le pas diriger. Et puis, yo même qu'on y a qui ça y a obtenu, puisque yo créer conditions pour pas qu'à diriger. Parce que tellement de bagages, c'est de fond, mais c'est comprendre. Je dis à, si, y a moun qui dans la rue, à cause de précarité, yo, à cause de besoin, yo réel, que vous gagnez qui vient faire une revendication légitime, réellement vrai. Mais, et même qui dirigeant, et ou après, l'air cherche, soi-disant, d'y proposer solution, ou après que le peuple a commencé à sentir que dans la recherche à solution, il n'y a pas la donne. Il n'y a pas la donne parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas pour vous, vrai, il y a fait poser, comme si des bacs à fait dans la rue, j'aime des tout à l'heure. Et Paul et peuple là, où est-ce que passé? Si peuple là pas dit ça, non, parce que pas mal, Jovenel t'a baillé démission, Jovenel pas baillé démission, pas mal à tout, mais et après 2 ans, et demi qui était à on va anticiper là. On va anticiper là. Bon, peut-être. On va anticiper, pas de problème. On va anticiper. Je vais te permettre de anticiper. Ouais, t'as allé. On va regarder avec vous. Il y a des gens qui se gardent là, qu'on a questionné. Qui ça qui explique quand même et Maduro là nous au Venezuela côté qui est président de la République Jovenel Moïse monsieur voté en faveur pour que monsieur démissionne et Maduro c'est donc président élu alors ce que je dis quand même en Haïti et presque chaque semaine ou chaque mois on constate des crises côté qui pays en log et puis qu'on a pour président de la République ici là il pas envisager question démission par là gain de mon cap questionner ça comment qu'a justifier ça au même. Bon, on prend au Venezuela comme problème. Côté président Jovenel Moïse et voté pour Maduro comme président élu démissionné. Et t'aimes disons tu bagaille. Et aujourd'hui, en Haïti, manifestation faite et la nuit, manifestation faite la journée. Et des fois, ils ont même improvisé, ils avaient dit ça la loi dit qu'il faut faire là. Et 48 heures de temps, 72 heures de temps avant. Pour nous signifier la police que pour aller manifestation, des fois, il n'y a pas même fini. Ça veut dire la liberté d'expression, la liberté de parole en Haïti, son bagage, qui a qui, ok, son bagage qui a qui. Et c'est ça que fait, il y a des gens qui fait, qui abusent de liberté, ça je dis, parce qu'il y a des bagages que autant de monde a dit en non-radio, ou à Pando, est-ce que c'est vrai, est-ce que son bagage, ou attendez, est-ce que c'est un médium qui est les radios, que vous attendez, ça vous attendez. Okay. On va parler de qui ça là, Gounia. Liberté d'expression qui vient en Haïti. Eh bien, je vous dis, au Venezuela, donc, militaire, pour voir Maduro prendre disposition pour empêcher ce monde manifester. Ok? Parce que c'est un petit bagage. Et au pays, c'est pas, okay, comme tout à coup, je vous dis, Haïti pas une relation avec le président Trump, non? Haïti une relation avec les États-Unis d'Amérique. Haïti pas une relation avec Maduro. Haïti une relation, son relation qui date des années avec le Venezuela. Donc ça veut dire que quand ça va dans le sens
et des normes internationales, eh bien, ça va bien. Eh bien, quand ça ne va pas, eh bien, Haïti, d'ailleurs, pas un pays qui peut contenir, eh bien, Haïti prend la position qu'il fallait. OK? Donc, ça veut dire, je vous dis, donc, Haïti, lui-même, puisque au Venezuela, il dit, supposé bon retour à l'ordre constitutionnel, supposé bon retour au droit, eh bien, Haïti positionnel en ce sens. OK. Nous allons finir là, et je de Charles Faustin quand même, ou dit président, ou pas grand qui a reproché président, et si par exemple, il y a des débats reproché président de la République, ou même comme conseil au table démissionné, qui sont fait des rapports IKF, des rapports ILC, des rapports pour des comptes sur question de gestion et Jovenel Moïse pendant qu'il est même l'été, dans Agritrans ou bien dans Sophie Daï, pour nous citer ça seulement, qui sont fait des rapports ça? Et regardez, on vit dans un pays, des fois pays, son pays comme si nous d'accord, non pas qu'être comploteur, des nègres comme si nous cap comploter, mais au bon objectif, et c'est peut-être une discussion de faire ramasser qui fait jamais on a traité de vagabond samedi, parce que gagné M. Paul Denis qui était cité en face, moi, qui en 2004 c'est à Vem, non. Nous étions ensemble sous béton. Okay. Nous avons demandé pour Aristide d'aller. Nous étions sous béton. Pauline défend un rapport tout. Nous avons demandé pour Aristide d'aller. Et puis après ça, Aristide vient aller. Et la tortue et avec Boniface Alexandre monte en commission de vérité. Et puis ils ont mis Paul Denis et président de commission. Ils font un rapport 400 pages. Okay. Qui indexé, j'en mettais Aristide Dakadjo du cheveu aux orteils, ok, qui pas, il va quitter côté dans Aristide, gouverne même Boupi qu'on zépingue, tellement rapport à accablant pour Aristide. Et puis, vous voyez, je vais même Paul Denis, pas tout qu'on gagne CSPJ, pas tout qu'on gagne CSPJ, non, pas tout qu'on gagne CSPJ, non, vous voyez, même monsieur ça, sous Préval, Lévine, ministre de la Justice, ok, et puis, vous voyez, ministre de Justice ça, qui lui-même, d'ailleurs, information que je n'ai pas dit, que je ne viens pas la suite, la France te voulait mener une enquête sous le président Aristide, mais il y a besoin d'autorisation du gouvernement haïtien. Paul Denis, pas de Baïli. Paul Denis, pas de Baïli. Pour te mener une enquête là. Donc ça veut dire, je dis, c'est comme si je dis, rien n'était passé avant 2004, c'est pendant 2004 et après 2004. Et c'est comme si je dis, c'est Paul Denis. Avec nous, vos partis politiques, les là-dedans. Qui ça Paul Dignité à l'époque? Et pourquoi parler? Il était dirigeant au BL. Ok, voilà, c'est un homme politique, mais Kounia, c'est pas homme politique, c'est institution l'État, par exemple, Kounia Conti Greffe, est non, différent là. Ah ben, Mabdou, ça veut dire que si tu as besoin de jetons, il faut faire rapport sur vous. Confine tomber ou te gagne en clean. Non, mais écoutez, mais avant Jutia Faustin. Mais écoutez, mais avec vous. Non, mais écoutez, mais avec vous. T'as on était là, on était là. Nous allons finir tout à l'heure. Mais écoutez, mais avec vous. L'opin KOPL là, par exemple, vous prenez Paul Denis, son homme politique quand même qui a fait un rapport. Ça parle dépendre de comment l'intéresser, le café n'importe qui rapport. Nous n'avons pas un homme politique, nous n'avons une institution, l'État. Nous n'avons un coup de compte qui crève, qui produit des rapports contre le président. Nous n'avons pas ça avec lui. Eh bien, il y a un rapport, non. Et il crève. C'est un rapport depuis Jovenel Moïse candidat. Et pas oublier, deuxième élection que le président Jovenel Moïse gagne, il participe dans le sous privé, qui lui-même, c'est Jovenel Moïse, c'est cinquième dans l'élection. OK? OK? Et si son deuxième tour privé t'a fait, privé pas t'a mis Jovenel Moïse dans le deuxième tour, parce que pour lui-même, Jovenel Moïse, c'est cinquième. Il décide de faire l'élection. Parce que là, ça, avec pouvoir parle, CP parle, etc. parle, donc Jovenel Moïse parle des net pour ça dans l'élection. Eh bien, m'a dit un petit bagage, ils ont monté le dossier UKF là, ils ont parlé de lui, et puis, m'a un an privé, ils n'ont pas jamais fait une démonstration ferme que Jovenel Moïse, effectivement, a fait une malversation que UKF a fait un dossier sur lui, eh bien, ils ont quitté là dans l'élection. Songez à Mdoula, ils ont quitté l'élection, ils ont prononcé sous accusation que c'est porté dans l'IKREF. Là, l'élection est passée. OK. OK. Donc, ça veut dire, premier cause, c'est qu'ils ont fait un dossier sous eux-mêmes encore, Jovenel Moïse, à l'élection. Là, l'élection est passée. Et par la suite, et juge va le chercher parce que tu as fait 15 millions de gouttes avec l'IKREF, tu as fait 15 millions de dollars. C'est ton menti que tu as bâillé. OK. Eh bien, et juge
fait sortir et résultat enquête côté yo dit que Jovenel Moïse clean sous question il crève ça qui va parler là aujourd'hui. Coup des comptes. OK, maintenant coup des comptes. Coup des comptes, yo font rapport coup des comptes qui gagnait et quantité page que le gagnant mais le nom de Jovenel Moïse quoi cité 69 fois. 69 fois dans le rapport. Pour combien comme on comprend que l'agriculture SA a gagné pour 39 millions de gouttes, dont il y a eu Jovenel Moïse 15 millions de gouttes dans le contrat. Exactement, il venait, pendant que je ramasse au pays, il a son rapport, il a dit Jules Charles Postin, il a l'argent, il a tout carré dans le même. Il venait, c'est débuté, on débute pas qu'il a l'argent dans le même. Ok? Donc, c'est pour nous songer ça, parce que des fois, il y a tellement besoin de faire mensonge sur le monde, il y a une sorte, il y a une égarée, il y a une bête. Tellement au besoin de faire mentir sur le monde. Donc, député Jules Charles Postin, pas bien l'argent, t'es gagné, moi-même t'es député. Et au boy. On a là qu'à président, on a là qu'à président. Non, non, c'est dans le même prêt, parce que c'est même comme ça qu'il venait, qui n'a même non, il venait dans les bagailles et militants engagés qu'elle publie. C'est même l'argent, ça l'a dit, à forme de profiter répondre au gouvernement. Donc, et Agitras SA, t'es seulement touché 15 millions de gouttes, non, comme là, je qu'on y a. Il faut qu'on baille ce cobla. Et si mon problème, Jovenel Moïse, pour le candidat, pour le démission, non, agriculture SA. C'est qu'on a lié tout parti sur la tête. Okay. Regardez, président Trump, pour le président, groupe économique qui a gagné, il était obligé de retirer le colonel, mettez l'autre monde dirigé. Et l'ombre institution, et l'institution est à la fois des personnes morales et des personnes physiques. Donc ça veut dire, Jodia, on a regardé agriculture SA. Est-ce que le paguet on moun gap dirige le Jodia dans pas Jovenel Moïse? Oui. Donc ça veut dire si il y a des questions de clarifiement, des questions de clarification qui vous faites sous question ça, eh bien la justice qu'a fait, film n'a pas crasé, film n'a toujours existé, la justice qu'a toujours fait, puis ben, résultat, c'est pas un rapport pour lié, non. Laisse ça, il pourra venir sous forme de jugement, et jugement a dit, il a condamné agriculture SA, puisque Jovenel Moïse, dans le pays de la télé président, eh bien laisse ça, il a condamné. Et personne physique et personne morale. Le voile va m'en finir, il est arrivé sur nous. Donc, Jodia et Baba Mbouz, son dernier question là. On ne parle pas de dossier que Neg Koudé Konta et Otap. Non, institution. Oui. Institution qui a parlé là, il n'y a pas de monde. On a regardé côté de l'autre. D'accord. Quand on a regardé avec vous là pour finir, et Julien Faustin, vous rappelez en 2004, où tu es bon côté Paul Denis, nous t'as boumé, pour être capable de chavir, on pouvait être élu pour 5 ans. Est-ce que dans l'époque, on n'a pas tenu compte de 5 ans du mandat? Non, premier bagage. Élection, ça, que le président a été sorti là, c'est un autre. T'es? Si pas mal, ça arrive, fait, c'est pour en supporter pour lever à jeune de côté là. C'est pas un support pour régler les problèmes par eux, même qui va quitter un problème qui est. D'accord. Donc, moi, bien content, c'est bien, nous pouvons bon petit parler matin. On va faire saluer Alex Pessurin, nous connaît qui c'est PDG et Radio Mega, qui lui-même trouvé dans Miami. Merci en pile, Julien Charles Faustin, merci en pile. À la prochaine.